Chers amis, abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle lunaison, c'est-à-dire la pleine lune. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 1er juin, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors donc, la prochaine pleine lune aura lieu le 4 juin 2023. Et celle-ci se fera dans le signe du Sagittaire, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Une pleine lune donc jupitérienne. Donc une pleine lune plutôt, je dirais, expansive pleine de vie euh, jupiter n'est pas le, la planète de la de la mesure c'est plutôt une planète expansive voire de démesure euh, c'est une euh, le signe du sagittaire est, est un signe de feu donc la Lune, qui est plutôt d'éléments eau, se trouve dans un signe de feu. Donc on va dire que l'eau et le feu ne sont pas forcément des éléments compatibles, mais tout au moins euh, c'est une Lune qui va être sous la gouverne de Jupiter. Donc une Lune plutôt euh, pleine de vie, euh, une, euh, une Lune qui a envie de s'exprimer pleinement. Alors ça se fait dans l'axe euh, donc évidemment Gémeaux Sagittaire, hein, comme euh, c'est forcément l'obligation, puisqu'une pleine lune, comme vous le savez, c'est une opposition soleil-lune. Hein c'est un alignement. Voilà, donc, pour le moment, une pleine lune jupitérienne. Donc, qui a envie de vivre, qui a envie de s'épanouir. Voilà. Alors, euh, puisque cette pleine lune se fait dans le signe du Sagittaire, on va tout de suite regarder eh ben, ce que fait Jupiter, puisque Jupiter est la planète qui maîtrise cette pleine lune. On va immédiatement le positionner. Or, ce Jupiter est en taureau, comme vous le savez, et il est conjoint à l'axe des nœuds, il est conjoint au nœud nord. C'est un Jupiter qui est dans le signe du taureau, signe de terre vénusien. Donc là aussi, on a également, euh, je dirais, une... Euh, une mise en valeur des valeurs vénusiennes, et avec Jupiter, Satan à prendre plutôt de l'ampleur. Euh, donc là, par le, je dirais le jeu des maîtrises, il y a pour moi une certaine forme d'harmonie, puisqu'on a un Jupiter vénusien et puis on a une Lune jupitérienne. Il y a donc là une valeur vénuso-lunaire qui s'exprime. Euh, donc euh, je dirais que pour l'instant, euh, au vu de cette position, c'est plutôt quelque chose de positif, d'agréable. Euh, C'est un goût et une gourmandise de la vie qui est en train de, de s'exprimer. Le soleil, quant à lui, qui marque évidemment les valeurs du conscient, de la vie, de la lumière, est dans le signe très pétillant, virevoltant des Gémeaux, un hein, signe d'air. Donc on a quelque chose là de plutôt agréable à voir euh, pour l'instant. Alors, puisque euh, Jupiter, qui a maîtrise sur cette pleine lune, est en on va regarder où est Vénus, qui est la planète qui a maîtrise sur Jupiter. On va tout de suite regarder où est Vénus. Voilà. Alors, donc Vénus, elle, se trouve dans le signe du cancer. Comme vous le voyez, elle est ici. Alors évidemment, la petite Vénus, là, elle est au sesquicarré carré de la Lune, elle est au semi carré du Soleil, elle est au carré de Jupiter. Autrement dit, on a une, une Vénus sous la maîtrise de la Lune. Qui est à son plein. Et cette Vénus, donc cancérienne, donc extrêmement sentimentale, on a une Vénus dans le signe des sentiments, elle est quand même quelque peu, je dirais, tourmentée, bousculée hein, euh, par les planètes alentour, donc ce qui rend évidemment l'expression affective, amoureuse, un peu frissonnante, un petit peu fragile. Euh, un peu à fleur de peau donc on, on je dirais que tout ce qui va relever du clavier vénusien au moment de cette pleine lune n'est-ce pas donc les deux jours avant et les deux jours et demi qui suivront il euh, ben, faudra euh, être prudent euh, être précautionneux dans ce que l'on va faire ce que l'on va dire euh, parce qu'on sera particulièrement réceptif aux, aux mots et on pourra être facilement blessé, facilement, je dirais, froissable. Il peut y avoir une forme de susceptibilité qui peut se faire sentir oh, oh, rien de méchant. Mais tout de même, il y a quelque chose là qu'on ne contrôle pas vraiment. Voilà, alors ça peut être un débordement aussi sur le plan euh, de, de, de des sentiments. Hein, de l'amour, donc euh, euh, c'est une Vénus qu'il va falloir prendre avec délicatesse, il va falloir en prendre soin. Hein euh, ça peut être un moment aussi pour les, les créateurs, les artistes, tout ça, un petit moment d'inconfort, un petit moment de doute, un moment de prise de recul sur ce qu'ils qu sont en train. Excusez-moi, je vous parle, il est très très tôt, il est 7h30, donc euh, il faut que j'articule. Donc je dirais que pour les créateurs, ça peut être un moment de prise de recul, euh, de besoin de faire un petit peu le point sur ce qu'ils sont en train de mettre en place. Vénus c'est aussi la vie sociale, la vie amicale, relationnelle également. Là bon bah attention aux petits désaccords, aux petits malentendus, aux petits quiproquos. Hein, tout simplement c'est pas c'est pas méchant. Hein. Bon alors puisque le Soleil lui il est dans le signe de, des Gémeaux. Qui est le signe de mercure, on va tout de suite positionner mercure parce que mercure est une planète très importante. Alors, vous me rétorquerez que toutes les planètes sont importantes, bien sûr, mais mercure, il est, il est important parce que c'est la planète du contact, de l'échange, du lien. On, on fait vivre sans arrêt notre mercure. Dès qu'on se lève, qu'on met le pied debout, qu'on dit bonjour à quelqu'un, on est dans mercure. Donc mercure, il est important. Et il est en taureau. Il est donc sous le règne précisément de Vénus, laquelle je viens de vous en parler. Alors pour l'instant, ce Vénus-là, euh, il est libre, il est euh, dans le signe très concret, très pragmatique du taureau, donc un, un mercure qui a les pieds sur Terre, ça veut dire que le mental, sur le plan général, ben, c'est un mercure très concret, euh, pragmatique, euh, l'esprit va avoir besoin de choses concrètes, on n'est pas du tout dans l'abstraction avec un mercure taureau. On a les pieds sur Terre bien enracinés dans la Terre. Hein. Donc un Mercure, je dirais, vénusien, mais concret. Hein. Le, le, la la Vénus-Taureau, c'est vraiment l'aspect la, la, concret. J'ai oublié de vous dire aussi tout de même que la Lune, a, la Lune est exaltée dans le signe du Taureau. Hein. Donc cette pleine Lune a une résonance aussi sur Jupiter et sur Mercure, puisqu'elle est euh, maîtresse par exaltation du signe du Taureau. Alors on va maintenant continuer l'exploration de ce ciel. Donc voilà un petit peu l'état du ciel actuel. Alors vous allez me dire, pour l'instant, on a un ciel qui est très dissonné. On a ce que j'appelle un peu le coup près, comme je dis dans mon langage. On a une opposition relayée par un 6 carré et un semi carré. La pleine lune s'oriente donc vers Vénus. Donc c'est une pleine lune très liée au sentiment et à l'émotionnel. Vous voyez L'aspect. C'est squis carré, semi-carré, opposition. Tout ça, c'est lune, soleil, lune, pardon, soleil, Vénus. D'accord bon. Et puis le carré de Jupiter qui vient un petit peu amplifier les valeurs de Vénus. Voilà l'état du ciel actuellement par rapport aux configurations que je vous montre. Alors on va continuer l'exploration. Et puis on va positionner Mars immédiatement. Mars est en lion. Il est là. Veuillez m'excuser. Mars est en Lion, il est au trigone de la pleine lune, il est au sextile du Soleil et il est au carré de Jupiter. Alors on a, alors le carré, c'est un carré qui est en train de se défaire hein, progressivement puisque Mars est plus rapide. Donc c'est un carré séparant. Hein. Il est, il est croissant de surcroît. Hein? Mais euh, il est quand même là au moment de la pleine lune, hein? donc euh, c'est un aspect quand même là aussi. Euh, il y a euh, une exacerbation de l'agressivité, de la tension, de la réactivité. Hein? Ça englobe quand même Vénus. Hein? Il, y a, il y a un orbe de 10 degrés, hein? surtout que Vénus est plus rapide que Mars, donc la conjonction va se former au fur et à mesure. Hein? Donc on a là euh, un aspect encore qui nous ramène aux valeurs de Vénus. Donc les sentiments. Donc là aussi, Vénus-Mars, c'est un cocktail de passion. Hein, hein. À l'amour comme à la guerre, c'est un peu l'axe bélier-balance que nous retrouvons par cette conjonction. Alors Mars en Lyon, c'est un Mars aussi qui est très orgueilleux. Attention. Donc attention là aux blessures d'amour-propre. Parce qu'avec cette Vénus qui, int qui intercède en conjonction et ce martien en carré de Jupiter, il peut y avoir là de la, de la réactivité et on peut se montrer très très prompte euh, à la répartie. Hein. Euh, c'est un Mercure qui n'aime pas du tout être blessé dans son orgueil. Donc là, c'est un peu le climat général. Alors, comme je vous le dis sans arrêt, superposer toujours l'état du ciel sur votre thème. D'ailleurs, tenez, je vais vous faire une petite confidence, parce qu'il faut bien quand même que de temps en temps, je vous raconte des petites choses. Je vous en raconte assez rarement me concernant. C'est pas l'objectif d'ailleurs des vidéos. Euh, mais vous vous souvenez que je vous avais fait une vidéo sur le grand carré hanté, euh, euh, Jupiter, euh, Pluton, Mars. Hein Et je vous avais mis en garde de faire attention durant un bon moment. Hein, hein, parce qu'on est encore dedans. Hein. Et euh, on est encore dedans à l'instant où je vous parle. Hein. Bon. Et euh, donc, bah figurez-vous, comme ce qui me concerne, il m'est arrivé une petite mésaventure. Je me suis fait piquer tous mes papiers, euh, carte d'identité, carte de crédit, j'en passe. Bon. Et moi, dans, dans mon thème astrologique, ce grand carré hanté, Jupiter, euh, Pluton, Mars. Euh, comme je suis scorpion, donc je suis particulièrement sensible aux aspects Pluton-Mars, puisque ce sont mes deux gouverneurs, hein. autant par le Soleil que par l'ascendant, parce que je suis double scorpion. Et puis Jupiter, dans mon thème natal, il maîtrise la maison 2. Donc vous voyez l'effet de résonance la maison 2, c'est la maison de l'argent, des finances, et l'opposition Mars-Pluton qui est venue frapper le maître de ma maison 2. Euh, dans le même temps, il y avait une opposition de Mercure à Mercure. Bref, avec Mercure, ça peut être aussi la planète des voleurs. Il hein. faut, faut le savoir également. Donc, il y avait une conjugaison d'événements. Et voilà, bah, je me suis fait piquer mes, mes papiers, ma carte d'identité, mon argent. Bon. Il y a pire hein, dans la vie. Hein. J'ai pas, pas été agressé physiquement, mais c'est pour vous montrer l'importance des planètes et toujours le plaquer sur votre thème et voir les impacts au niveau des maîtrises. Ça vous permet d'avoir une compréhension. Je vous dis cette anecdote, c'est pas pour me répandre, mais c'est pour vous donner une petite illustration de la manière dont jouent les configurations célestes sur le plan individuel. Donc, toujours projeter attentivement et observer les maîtrises. Voilà. Donc je suis dans une période où je suis particulièrement prudent. Je ne vais pas vous dire que je suis paranoïaque, tout de même pas, mais je fais attention. Actuellement, alors fort heureusement, Mars est en train de s'en aller là, mais tout au moins, euh, voilà, j'ai eu tout à fait une illustration très probante. Alors, je reviens à nous tous pour cette pleine lune dans le signe du Sagittaire. Donc, je parlais de Mars hyper réactif. Donc... Alors, vous voyez, trigone lune, sextile soleil, hein, mais carré Jupiter. Okay Donc, un, un Mars qui joue en plein dans cette pleine lune. Hein, D'accord Vous voyez Sextile, Mars. Il vient quelque part en rajouter à cette Vénus qui est dans un aspect dissonant, qui fait le fameux aspect, vous voyez là, complet. Vous voyez Pour Vénus, ça s'inscrit dans une totale dissonance. Mars, lui, vient nourrir cette pleine lune. Et il prend l'expansivité de Jupiter. Vous me suivez Donc il y a un aspect, de un, un va-et-vient l'un dans l'autre. Donc particulièrement réceptif. Donc au niveau de nos relations amicales, relations amoureuses, cool, relax. Si vous sentez que ça vous titille, si vous sentez qu'il y a des petites paroles qui ne vous plaisent pas, vous prenez le large, vous laissez passer. Pas la peine de se faire la bisbille. Hein. On est déjà suffisamment dans une période globalement qui n'est pas très heureuse. Donc vraiment, c'est pas la peine de tomber dans des petites blessures d'amour-propre, hein. vraiment... Euh, hein, c'est typique là, hein, l'aspect Soleil-Mars, vous voyez, hein, euh, le Soleil, c'est quand même l'ego. Hein. Bon, bah, il faut calmer le jeu un petit peu. Hein. C'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Bon, alors on va continuer l'exploration de ce ciel. On va positionner Saturne. Alors lui, il est en poisson. Voilà. 7 degrés du signe des poissons. Et voilà l'aspect que fait, euh, les aspects que fait Saturne pour cette pleine lune du 4 juin 2023. Il est au sextile de Jupiter. Il est au carré du Soleil. Alors, c'est un carré séparant, hein, puisque le Soleil va continuer à avancer, mais on l'a encore. Il est également au carré de la Lune. C'est aussi un carré qui se défait parce que la Lune va avancer très très vite. Hein. Hein, c'est quand même un. Il y a quand même 6 degrés d'orbe dans le carré, mais avec les lumineurs, je prends toujours des orbes assez larges, hein, parce qu'il y a la diffusion et le rayonnement des deux luminaires. Hein, donc euh, mes, mes, mes orbes sont toujours un peu larges. Et puis on a un quinconce qui va directement à Mars. Voyez-vous, là, hein, les, petites, les petits points de suture que vous voyez là, hein, c'est un quinconce. Voilà, donc le, le Saturne est, est lié à Jupiter. Hein, hein, L'ordre et le droit sont reliés l'un à l'autre. Mais il vient jeter quand même une dissonance à cette pleine lune qui va marquer un frein, une petite frustration. Voilà, il y a une petite gêne qui est passagère, elle va très très vite se, se défaire. Tout au moins, je dirais que cette dissonance-là, vous voyez, lune-Saturne, on va la sentir la veille, le 3 juin surtout, hein, au moment où la lune va arriver au carré. De, de, de Saturne exact. Là, on a un carré qui est en train de se défaire. La Lune avance de 1 degré toutes les deux heures. Vous voyez, le carré va très, très vite se défaire. Hein? On va surtout le ressentir la veille, le 3 juin, et peut-être même un petit peu, peut-être même le 2 euh, par rapport au, au rythme de la, de, de, de la Lune. Hein? Voilà. Mais globalement, elle est un petit peu freinée par Saturne. Donc, l'expansion des sentiments est un petit peu euh, bloquée. Hein? Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Uranus. Eh oui, il est là. Il est conjoint à Mercure. On a une conjonction Mercure-Uranus en taureau euh, qui n'intercède pas avec l'ensemble de la pleine lune. Vous voyez là, il n'y a pas d'aspect. Il y a la conjonction qui est un aspect, mais avec les autres, euh, Mercure-Uranus sont complètement libres. savent s'assied à Uranus hein, d'être complètement libre, indépendant. Il n'entretient pas de lien. Regardez dans cette lunaison les deux sont libres ça leur va bien c'est la liberté de penser la liberté de mouvement la liberté de la parole tout ça euh, dans le signe du taureau donc quelque chose de concret donc là c'est un appel à la liberté on aura envie de s'exprimer de bouger de voyager librement de s'exprimer en toute liberté Mercure-Uranus c'est aussi la singularité dans notre façon de voir les choses euh, on peut avoir envie de il peut y avoir des remises en question sur nos projets personnels euh, ce qu'on a envie de mettre en place voyez quels sont les secteurs que Mercure maîtrise dans votre thème et les, ré, les réactions que ça peut avoir voyez aussi dans quelle maison cette conjonction va avoir lieu parce que c'est la maison qui va être particulièrement concernée hein. donc on a là une, un, un appel à la liberté voilà. Il va pas falloir venir nous mettre des bâtons dans les roues, on va pas aimer ça du tout. Point marre. Neptune à présent. Voilà l'état du ciel. Neptune. Neptune est en poisson. Dernier décan. Il est au trigone de Vénus. On a un beau trigone. Vénus, Neptune, pratiquement exact, hein. il l'est, hein, franchement. Bon, alors là, dans les signes d'eau, c'est vraiment le romantisme, c'est les sentiments, c'est l'empathie, euh, c'est le rêve, c'est l'amour rêvé, idéalisé. Alors là, on est dans les grands flonflons du romantisme. Alors là, c'est vraiment les grandes envolées. Euh, on rêve son amour, on l'idéalise, on est en dehors du réel. Ça fait du bien de temps en temps. Ça vient un petit peu contrebalancer ce mercure très pragmatique avec Uranus, vous voyez là il n'y a pas de sextile, hein, c'est dommage. Cela étant dit, Mercure va avancer, mais ça vient un petit peu contrebalancer ce Mercure, un peu sec quand même. Hein. Mercure, Uranus, Taureau, c'est sec hein, quand même. Alors là, on a ces valeurs-là, Donc, ce qui rend Vénus encore plus impressionnable, encore plus réceptive, hein, parce que Vénus maîtrise quand même le triptyque Jupiter. Mercure, Uranus. Donc, on voit bien que cette Vénus-là est particulièrement réceptive, particulièrement à fleur de peau. Hein. Mais c'est vrai que c'est le moment où, euh, bon, euh, c'est pas forcément l'incarnation de l'amour. C'est l'amour idéalisé. Euh. Bah, ça peut être le moment euh, où on va, euh, comment, on, pff, ça peut donner de l'inspiration aussi pour les créateurs. Hein, Magnifique. Hein. Par exemple, pour les musiciens. Euh, ça peut être les peintres, enfin bref, ça peut être une, une grande grande source d'inspiration. Hein. Hein, puisque Jupiter également maîtrise hein, sur le poisson, il ne faut pas l'oublier, on a un Jupiter vénusien, ce qui nous renvoie encore aux valeurs de Vénus. Ensuite, Pluton, qui est en Capricorne ou Verseau, attendez! Ah, il est à zéro, il est dans sa phase de rétro. Voilà, c'est pour ça que je l'ai positionné encore un petit peu vite, mais il va revenir en Capricorne hein, jusqu'à la fin de l'année. Mais là, on a un Pluton qui cogne pas mal. Hein. Vous avez vu un peu comment il arrose Alors, qu'est-ce qu'il fait Il est au sextile de Neptune, semi-carré à la pleine lune, opposé au tandem Vénus-Mars, C'est carré au Soleil. Autrement dit, il joue éga, éga, à égalité avec Vénus. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Et au carré de Jupiter. Vous voyez là, Pluton, semi-carré lune, c'est carré Soleil. Et Vénus est à l'inverse. On, on a un grand rectangle de tension. Vous voyez, donc on a là l'aspect Pluton vient un petit peu dans cette totalité-là. Je vais vous positionner l'intégralité du ciel. On a un Pluton qui vient jeter son voile noir, son voile sombre à ce ciel qui n'était pas en soi, euh, je dirais, euh, particulièrement euh, difficile. C'était juste à gérer avec prudence et à prendre du recul par rapport à nos émotions. Mais là, Pluton, il vient savamment noircir le tableau. Hein. Euh, il, il arrose quand même beaucoup, beaucoup, vous voyez. Hein. Alors certes, l'opposition à Mars est en train de se défaire. Hein. Ça y est, ça, Mars s'éloigne. Mais il y a l'opposition à Vénus. La Vénus est vraiment assombrie hein, là, hein, avec ce Pluton. Hein, C'est le mythe d'Eros Thanatos, hein, à l'amour comme à la mort. Il hein, y, a, y a quand même là un aspect de difficulté, il y a un petit aspect de blessure. Euh, euh, Vénus, elle est à la fois prise dans Mars et dans Pluton. Hein, C'est pas forcément ce qui est le plus agréable, il est vrai. Euh, donc, euh, surtout que Jupiter est au carré de Vénus, vous voyez. Il y a un double aspect, donc ça veut dire quoi Regardez dans votre thème les secteurs que maîtrise Vénus, parce que ça peut être les secteurs qui seront particulièrement concernés euh, durant cette lunaison. Hein. Voyez ce que ça fait. Euh, Vénus, c'est aussi la planète de la maison 2, de la maison 7, si on se reporte au zodiaque originel. La maison 2, c'est les gains, la 7, c'est les contrats. Si vous avez des signatures à faire durant cette période-là, Bien surveillez bien que tout soit bien clair, qu'il n'y ait pas des, des malentendus parce que Vénus maîtrise aussi Mercure, hein, d'accord Qui marque les contrats, les échanges, tout au moins. Donc soyez bien attentifs à ce qui va se passer. Ce Pluton là, il vient vraiment noircir totalement le tableau, hein. Bon, il y a le sextile à à, à Neptune qui est là, mais euh, c'est un sextile dissocié pour l'instant parce que Pluton est dans un signe d'air, il est en formation. Euh, mais ce Pluton, il, il vient vraiment euh, jeter son voile noir, hein, et c'est l'obscurcissement de cette pleine Lune. Donc, euh, on a globalement, si on, on le mettait à l'écart, le, le, le petit pépère Pluton, si j'ose dire, on avait un ciel qui n'était pas trop, trop ennuyeux, mais quand même, il faut se méfier de ce Pluton. Vous savez, Pluton, c'est la menace dans l'ombre, hein, euh, euh, c'est ce qu'on voit pas venir, hein, c'est... Souvenez-vous toujours que Pluton a, a le don de double invisibilité, puisque Hadès, euh, lors de son combat contre les titans, on lui avait donné un masque en peau de chien qui le rendait invisible. Donc il règne dans le monde des ténèbres, et dans le monde des ténèbres, il est invisible. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. On peut l'avoir devant soi, et on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on rattache souvent Pluton aux valeurs sataniques, hein, au diable. Parce que la grande force du diable, comme on dit, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Hein c'est la fameuse phrase. Hein Donc, euh, euh, voilà un peu ce, ce Pluton qui est un peu embêtant quand même. Il est en quiquinant là. Hein euh, et puis en plus, cette pleine lune est, se fait deux jours avant le grand rassemblement, puisqu'il va y avoir la manif euh, contre la réforme des retraites qui va se faire le, le 6 juin. Euh, si je ne m'abuse. Alors, la Lune, elle sera en Capricorne. Alors, attendez, je vous... on va faire avancer, justement. Euh, la Lune, au 6 juin. Alors, là, on est au 5, comme vous le voyez, et là, on est au 6. Voilà, le 6 juin. On aura donc une Lune en Capricorne. Hein? La Lune Capricorne, ce n'est pas la Lune la plus affective. Hein? Elle est dans le signe de Saturne. C'est de la frustration qui va s'exprimer. On, prend... on comprend pourquoi le peuple va être dans la rue. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein, il, y a, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. La Lune en, en cancer, elle est en exil. Elle n'est pas à l'aise. C'est le mythe de Cronos. Le dieu qui engloutit sa progéniture. Et là, on a un ordre qui veut effectivement nous bouffer. Hein, c'est tais-toi. Saturne, c'est le monde du silence. Alors, on a une Lune qui se mobilise et qui va, au fur et à mesure, avancer vers Pluton. Donc là, on va avoir un ciel, vous voyez, le 6, le 6 janvier, euh, qui va être quand même particulièrement. Euh, euh, alors, certes, la Lune, me rétorquerez-vous, pour le 6 juin est au trigone de Mercure, au trigone pardon d'Uranus, et puis trigone large à Jupiter. Hein, C'est un, un trigone qui est en train de se défaire. Hein. Je dirais que le trigone à la conjonction Mercure Uranus est en formation, par contre à Jupiter il se défait très très vite. Il y a, il y a quand même 8 degrés d'orbe dans mon trigone. Mais comme je vous l'ai dit, je prends des orbes larges avec la Lune et le Soleil. Mais on voit le pourquoi de la mobilisation. Alors est-ce que cette mobilisation va être aussi importante sur le plan quantitatif Avec cette Lune Capricorne, je ne saurais vous dire, je suis un petit peu réservé. Euh, est-ce qu'elle va manifester la persistance ou est-ce qu'elle va être un petit peu dans le moins euh, Je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à trancher là, pour être très honnête, euh, je ne peux pas vous dire. Mais il y a une persistance, il y a quelque chose quand même qui s'inscrit dans la durée avec Saturne. Ça ne lâche pas. Il y a quelque chose qui persiste dans le refus, dans la contestation, avec en plus une conjonction Mercure-Uranus. Hein. Qui va être appuyé par cette lune, puisqu'elle va avancer progressivement vers le trigone. Là, c'est le besoin de se faire entendre. Mercure-Uranus, c'est aussi la révolte, hein la contestation hein contre l'ordre. Hein Donc, au fur et à mesure, vous voyez, la, la, si je fais avancer l'élément euh, les, les heures, parce que là, c'est positionné pour 5h41. Du matin, c'était l'heure de la pleine lune du 4, hein. mais euh, si je la fais avancer, cette pleine lune, vous voyez, je vais essayer d'aller jusqu'à 14 heures, qui est l'heure de rassemblement de la manie. Vous voyez, on a déjà une lune qui s'approche de Pluton et qui est au trigone, là, ça y est, de la conjonction Mercure-Uranus, voyez. Hein. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer, toutes les deux heures, vous voyez, hop, elle prend un degré. Hein. 18 heures, ça y est, elle s'approche au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'on a une lune euh, au niveau du, du comment dirais-je, des sentiments collectifs de quelque part la lune régie aussi l'inconscient, qui va s'obscurcir, qui va aller rencontrer Pluton. Hein, et ensuite, elle filera, chargée des valeurs du Pluton, et elle lira à l'opposition de Mars. Hein, progressivement. Je vais vous la faire évoluer pour que vous visualisiez. J'ai juste sélectionné la Lune pour que vous suiviez les aspects qu'elle va former. Vous voyez là, elle fera même un semi-carré à Saturne. On va continuer à l'avancer. Suivez les dates qui sont indiquées ici. Vous voyez là. Hein, et restez sur la Lune. Regardez. Donc, on va passer au 7 juin. Ça y est, vous voyez. Là, alors là, l'opposition est quand même large, hein, mais elle s'oppose déjà à Vénus. On va passer au 8 juin. Vous voyez alors. Là, je suis allé un petit peu vite en besogne parce qu'évidemment, comme elle avance de 1 degré <laughs> toutes les deux heures, elle fait des bons. Puis je vous ai fait un, un truc qui ne va pas là. Attendez, je vais revenir un jour en arrière. Voilà, vous voyez donc le 7 juin, pardonnez-moi, j'ai été trop vite. Le 7 juin, vous voyez, elle est déjà là, opposée à Vénus et opposée à Mars. Vous voyez hein Et le 6 juin, voilà, 6 juin, formation de la conjonction. Plus un jour, le 7 juin, on y est. Si on fait, <coughs> on recule un petit peu en heure pour avoir la conjonction exacte. Vous voyez, elle se fera à 10h41 le 7 juin. Conjonction lune-pluton opposée à Vénus. Et elle va progressivement avancer en termes d'heure. Et elle ira à l'opposition de Mars au fur et à mesure. Vous voyez, donc on a une Lune qui va être très chargée. Donc on va avoir un climat général assez tendu et assez sombre dans les jours qui vont suivre. Hein voilà. Euh, partant du fait que le, le carré Jupiter-Mars est en train de se défaire. Ça y est, il n'y est plus tout de même. Mais il y a toujours quand même Mars qui est opposé à la Lune. Donc on a un climat encore belliqueux, extrêmement tendu. Euh, alors évidemment, c'est une pleine Lune générale. Hein. Euh, là, j'ai axé sur euh, euh, la, le rassemblement du, du 6 juin, mais... Il faut la traiter d'une façon globale. Hein. Ça peut être des problèmes qui peuvent naître aussi un petit peu partout sur, sur la planète, hein, dans le monde, hein, évidemment. Hein. Euh, Paris n'est pas le centre du monde. Hein. Mais là, j'ai centralisé pour nous, parce que nous sommes ici en France, et que les manifestations, vous me direz, n'auront pas lieu qu'à Paris, elles vont avoir lieu un petit peu partout en France. On voit qu'il y a un climat de tension, un climat en encore de, de bellicosité qui se met en place. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ici ce bavardage lunaire. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez être tenu informé des nouveautés. Inscrivez-vous également à mon site internet, dont vous verrez l'adresse apparaître en générique final. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.